Nous y voilà en ce week-end de clôture des activités de CIPOPS 2019 ont pour thème l'échec en milieu scolaire. Écoutons Monsieur Ousmane Baldi au micro de Safin TV. Journée de clôture, nous avons commencé par cette école primaire. Donc, nous avons une mobilisation qui membres elle voyez allez nous on membres aussi nous on donc nous ici cette cette en ce moment donc après cette cette albi dina am kermesse ak match handball pour journée vendredi après samedi moy donne cérémonie officielle. Écoutons monsieur le directeur de l'école au micro de Safin. Je voudrais tout d'abord dire à vous, en tant que directeur de cet établissement, je suis très satisfait de la manière de conduire les affaires scolaires par les jeunes. Déjà, ils avaient commencé à faire des cours de vacances et ce qui a donné ces réussites-là. Maintenant, aujourd'hui, ils sont dans la deuxième phase de faire le désherbage de l'école et son nettoyage. Demain, ce sera la fermeture de ces cours de vacances qui sera couronnée de plein succès par des primes. Donc, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est ce qu'on attend des jeunes. Et vraiment, je suis très satisfait du CIPOPS et des étudiants en général qui, quand même, possèdent leur école pour en faire quand même un développement harmonieux. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'école. Donc, vraiment, je suis content trop de ce que l'école, parce que l'école, vous savez, c'est ce qu'on a fait. Il y a des gens qui ont en même temps, je dis, je suis dit, vraiment, nettoyer l'école, de quoi de faire. Je suis dit, c'est ce qu'on a fait, l'école, pour que vous puissiez le faire. Aussi, je suis dit, parce que nous sommes les gens qui ont fait, nous sommes les pour ñu mëna soukhri pour ngeen séré mëna ko développer vraiment merci beaucoup yow mi nga xamné aussi yama tenir micro bi abou vous êtes un partenaire à l'école parce que vous êtes un artiste chevronné ma ngi fatali ko ma di drapeau national yow ya ko développer tay nga ñëwaat aussi di ma di interviewer le directeur vraiment merci beaucoup té lool lañuy xaar aussi ci askan merci jërëjëf yalla yalla passa fen tv ma ngi leen nuyu di len jaajeul sen téway bi couvrir une manifestation. La manifestation est le week-end culturel, le week-end de clôture des activités de vacances de la CIPOPS, coordination des instituts de communication. Donc, nous sommes une activité de vacances principalement, des cours de vacances. Le RNJ, programme pour les vacances, nous avons un thème central. C'est l'échec en milieu scolaire. Parce que dès que nous constatons le niveau des élèves devient de plus en plus faible. Donc, lolu jangal bobu lañu diam motax ñu def thème bobu rendi et bir thème bobu on a décidé de déterminer les causes waxtan ci causes yi quoi à travers des causeries nak dañ koy def ci lors des marchés de généanaire bu lañ koy défé causeries chaque marché de généanaire bu ñu def ben causerie bo xamantene sur les causes de l'échec en milieu scolaire. Premier causerie, ça a porté sur la responsabilité des parents. Deuxième, on a parlé de l'engagement des élèves vis-à-vis de leurs études. Et enfin, on a parlé de l'influence des réseaux sociaux, influence négative, mais aussi impact de l'éducation. Donc, l'autre, nous avons comme activité de vacances que l'on peut dérouler. Donc, aujourd'hui, vendredi 27, moi j'ai débuté le week-end de clôture, vendredi 27 et samedi 28 souvent. Donc, aujourd'hui, dans un programme de journée 7-7, comme nous l'avons dit, les enfants, les gens, ils sont tous bien pour le 7-7. Le 7-7 est au niveau de l'école primaire, et nous avons répété, puisque le directeur a fait une école au début, c'est normal pour nous rendre. Nous rendons dans de bonnes conditions. Nous avons fait pour que d'ici la semaine prochaine, puisque c'est la rentrée, élèves aient une Dougati classe dans de très bonnes conditions. C'est dans mon école, le premier jour de cette salle. Écoutons la présidente Madjigen Diouf au micro de Safin TV. C'est le début de notre week-end culturel ce vendredi, qui est composé de deux parties, c'est-à-dire après-midi, ben kermesse avec un match d'handball. Le 7-7 a été très bien passé parce que tout le monde est venu, surtout les enfants aussi. On les remercie et on les encourage.
mais aussi suñu reporter bi Safène TV aussi ñu ngi lay gërëm. Merci quand même. Et on se donne rendez-vous cet après-midi inchallah vers 15h match d'handball kermesse. Après demain inchallah, ce sera la dernière journée. Ce sera une journée très riche parce qu'on a comme thème central l'échec dans le milieu scolaire. Donc tout le monde pourra en tirer une leçon qui peut l'aider dans son avenir. Merci. Salam alaykoum ñepp, ma ngi leen di nuyu bu baax. Man la Aïta Thiandoum, vice-présidente Sipops. Bon, comme ni ngeen ko gisee rek, def nañu sétal ba paré mu dess yeneen programme yi muy kermesse bi ngone ak suba suñu cérémonie officielle. Na ngeen ñew bu baaxa baax. Contane nañu trop. OK, merci wa Safène TV. Vraiment ñuy remercier affaire yi. Initiative bi nice na. Donc li bo gisee rek, ça fait partie de l'objectif de la Sipops. Suñu objectif bi moy faire participer ci suñu développement dekk. J'espère que niñ ko waxé dès le début vacances organiser un cours de vacances ci om solo ci cours de vacances bu jéxé di def ben journée de sétal ci village. Donc lolay ñu remercier boy yi parce que ñu en masse, di remercier aussi manam bon kay ñor joxé cours, le remercier parce que gis nañ sen taxaway, di remercier encore une fois de plus monsieur le directeur parce que oublié na 6 classes être à notre disposition. Lolu vraiment c'est à remercier. Donc di remercier les membres de la Sipops def nañ ben rôle bu am solo, di remercier yow tamit wa Safène TV vraiment yaangi def lu liguey bu nice ci dekk bi. Donc vraiment lolu c'était mes propos en tant que président de la commission pédagogique. Donc lolu mo nekkone sama cadeau tay. Merci vraiment. C'était l'info sur Safène TV.